Europe. Europe 1. Emmanuel Macron qui donc s'invite jeudi au 13h de Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Une heure d'émission spéciale en direct d'une école d'une commune de l'Orne, Hélène Jouan. Oui, alors il paraît que ça ne se fait pas de fêter les anniversaires à l'avance, mais l'Élysée n'est pas superstitieux. Il était prévu que le président s'exprime un peu plus tard, a priori en mai face aux Français, puis en juillet devant le Congrès pour rendre des comptes aux parlementaires. Emmanuel Macron a donc choisi d'anticiper. Les foyers de contestation se multiplient, pas question de prendre le risque d'une contagion. Et surtout de se voir empêché, pas de gouverner, on n'en est pas là, mais de se déplacer normalement sans être alpagué à chacune de ses sorties par des retraités, des cheminots, des jeunes ou des infirmières. Les chevaux légers de la maison Macron, Premier ministre compris, sont tous montés au front, ça ne suffit plus. Emmanuel Macron a donc décidé de venir en personne expliciter la mise en œuvre de ses engagements, en rappeler le sens et les retombées pour chacun. Une intervention qui tombe évidemment en pleine grève SNCF. Oui, mais l'objectif pour le président n'est pas de stopper la grève par sa seule parole. Jupiter peut-être, mais pas fait clochette. Non. Emmanuel Macron a surtout besoin, un, de reconquérir les retraités, eux qui l'ont soutenu en avril dernier, mais qui depuis la hausse de la CSG se retournent contre lui. Vous nous avez vraiment pompé, s'est offusqué une dame à Tours la semaine dernière. Deux, il a besoin d'expliquer à ceux qui ne sont pas forcément actifs, connectés, citadins, mais qui vivent dans des zones où l'on subit les déserts médicaux, la fracture numérique, les fermetures de classes, la crainte des fermetures de lignes SNCF ou encore l'incompréhension face à une nouvelle limitation de vitesse, qu'ils ne les oublient pas, que les réformes sont aussi faites pour eux. Faire de la pédagogie non arrogante, l'auditoire du 13h de TF1 est la cible idéale. Son message portera donc au-delà des cheminots. Oui, même si l'idée est évidemment de jouer l'étouffement de la grève en la privant d'oxygène, c'est-à-dire d'un éventuel soutien de l'opinion publique, un soutien qui reste aujourd'hui ambigu. Quelques débordements pourraient l'y aider. La scène d'un mannequin à son effigie pendu puis brûlé à Nantes samedi, en marge d'une manifestation réunissant étudiants et cheminots, était du plus mauvais goût. Emmanuel Macron devrait user de l'argument de la légitimité des urnes, de celle aussi du travail parlementaire qui sera en cours jeudi à l'Assemblée nationale sur la loi ferroviaire, contre la violence de ses opposants. L'expulsion des éléments les plus radicaux de la ZAL de Notre-Dame-des-Landes ce matin augure en tout cas du message que le président devrait marteler, fermeté et détermination. Hélène Jouan, Axel, oui, un petit mot. Oui, et cette intervention-là, assez spectaculaire pour évacuer la ZAD, va contribuer à éclipser la journée d'action des cheminots. Si on était complotiste, on y verrait une manœuvre. Je ne suis pas sûr qu'effectivement ceux qui, aujourd'hui, ce matin, essaient de prendre leur train ou leur TER soient absolument scotchés sur l'évacuation minute par minute de la ZAD. Ceci dit, c'est effectivement de toute façon un engagement qui avait été pris par le Premier ministre de dire que ça devait être évacué, notamment après la trêve, la fin de la trêve hivernale. Et puis, le message, c'est effectivement de dire, on a dit on fait ce qu'on avait dit qu'on ferait, et donc, effectivement, la décision a été prise. Aujourd'hui, il faut que les derniers éléments les plus radicaux de la ZAD quittent cette zone. On ne peut pas dire qu'il y a eu un gros effet de surprise. Europe 1.